Bonjour à tous, en ce mercredi 16 décembre, et aujourd'hui je vais vous parler de ces choses qu'on voit partout, tout le temps, et dont on se demande souvent quelle est vraiment l'utilité les pubs. Que ce soit à la télé, sur YouTube, ou bien même sur n'importe quel site, on est envahi de pubs. Toujours plus longues et improbables, elles ont le don de nous agacer, et ont en moyenne une chance sur un milliard de nous faire consommer le bien ou le service proposé. Une pub qui m'a particulièrement saoulé, c'est la pub pour le réseau social TikTok. Une pub de 20 secondes que tu peux pas skip avec toujours le même refrain ennuyeux qui te donne envie de jeter ton téléphone par terre pour ne plus entendre cette pub qui parle comme un enfant en manque d'attention. Une pub, c'est pire qu'une maladie parce que même en consommant le produit, t'es pas immunisé contre la pub. Cette même pub, je l'ai vue à la télé. D'ailleurs, la télé, je la regarde de moins en moins et je pense d'ailleurs que la télé subit une décadence massive depuis des années. Car si on enlève la qualité des programmes qui devient de pire en pire, ne proposant que très peu de programmes qui méritent d'être regardés. Je pense principalement à ces téléfilms grotesques de Noël que l'on est obligé de se farcir pour une raison obscure. La raison principale de cette décadence pour moi c'est les pubs. Et TF1 sont pour moi les grands champions de la publicité abusive. Avec une pub de un quart d'heure toutes les 30 minutes, on arrive bientôt à un stade où on regarde plus de pubs que de programmes. Surtout quand on regarde les pubs à la télé, on se demande souvent comment ces gens font pour être payés, pour avoir produit un travail aussi catastrophique. Le plus drôle, selon moi, c'est ceux qui se prennent pour Hitchcock, où tu te demandes jusqu'à la fin, quelle marque a décidé d'embaucher des gens sous LSD. Les pubs sur Internet sont tellement redondantes qu'on pourrait presque comparer ça à du harcèlement. On est d'accord que le principe de base d'une pub, c'est de te donner envie d'acheter le produit, pas de te dégoûter à tout jamais. Après tout, la pub, c'est une affaire de séduction. Mais quand tu vois ce forçage auquel tu as droit sur Internet, tu vois qu'il y a quelque chose de malsain là-dedans. Je suis pas expert en séduction, mais si tu demandes tous les jours à une fille si elle veut sortir avec toi, plus tu essayes, moins elle aura envie. Et si tu insistes, elle pourra même te donner une bonne gifle et prévenir la police qu'un dégénéré en a après elle. Ah je me rappelle de la belle époque où tu pouvais te balader sur YouTube autant que tu voulais sans jamais être dérangé. D'ailleurs YouTube fait souvent la pub de YouTube Premium. YouTube Premium, c'est un service où il te propose de te faire payer une somme par mois pour que tu retrouves ta tranquillité passée avec un ou deux avantages en plus. En gros, YouTube, c'est comme un voisin brillant qui ferait la fête tous les soirs, mais si tu acceptes de payer tous les mois, il va arrêter de faire du boucan et t'apportera même les croissants le matin. Quelle bonne affaire. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde dans lequel la gratuité a un prix, du temps et de la pseudo-attention. Cependant, rien ne nous empêche d'ignorer ces annonces redondantes, car comme on dit, on répond aux imbéciles par le silence. Bonne journée à tous.